Bonjour, je suis Bruce de nouveau. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser au doud, pour apprendre à créer un son et à le tenir correctement, puis à jouer les trois premières notes. Si, la et sol. Commençons par la création du son. Il s'agit de faire vibrer librement l'anche sur le bec. Pour cela, plaçons les dents sur le bec, à environ 1 cm de son extrémité. Puis nous allons enrouler notre lèvre inférieure sur les dents du bas et resserrer les commissures de la bouche autour du bec, comme ceci. Pour finir, il suffit d'inspirer et de propulser l'air dans le bec afin que l'anche vibre et produise un son. Vous n'allez peut-être pas réussir à produire un son du premier coup, et ce pour différentes raisons. Il est possible que vous n'ayez pas assez pris le bec dans la bouche, ce qui empêche l'air de pénétrer dans l'instrument. Dans ce cas, prenez un peu plus de bec dans la bouche et réessayez. Au contraire, si le son est très fort, incontrôlable, c'est que vous avez pris trop de bec dans la bouche. Il suffit alors d'en prendre moins. Faites des essais jusqu'à ce que vous trouviez la position idéale. Pour tenir le doud correctement, vous devez placer le pouce droit sous le crochet de pouce situé à l'arrière. Ce crochet est réglable afin que vous trouviez la position la plus confortable possible. Le pouce gauche va couvrir le trou situé à l'arrière du doud. Pour finir, nous allons placer l'index gauche et enfoncer la première clé en silicone située en haut du doud. C'est le doigté du si et il devrait sonner comme ceci. Pour jouer le la, il suffit de garder fermée la clé de si et d'appuyer sur la clé suivante, ici. Et pour jouer le sol, on garde fermées les clés du si et du la, puis on ferme la troisième clé. Et voilà, si, la et sol sur le doud.